Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette belle soirée qui est pour nous une soirée anniversaire. Salut Billy, comment ça va? En toute discrétion ton arrivée, tu vois, je ne la salue absolument pas. Nous c'est une soirée anniversaire puisqu'en fait Berlin nous a rappelé tout à l'heure qu'il y a 4 ans jour pour jour, Élose et moi nous animions aussi une soirée. Donc en fait ce soir, on l'avait mal fait la première fois, donc on le refait une deuxième fois. On avait fait une soirée autour de la désobéissance civile. Je pense que ça va vous parler par rapport au thème de ce soir. Parce que nous avons été tous les deux auditeurs de cette magnifique institution. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc ce soir, Bernard a filtré exprès pour qu'on soit pas trop nombreux. Je fais exprès. Non, mais l'idée c'est d'avoir un échange avec vous ce soir. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour nous de poser des questions et puis de triturer les deux invités qu'on va avoir après. C'est aussi qu'on puisse avoir des réactions les uns avec les autres. Tout ça dans un certain nombre de marques qu'on redonnera un tout petit peu après. Donc on va se présenter tout d'abord, avant d'accueillir, je sais pas qui d'ailleurs, on verra après, je sais pas où ils sont, on les a cachés. Héloïse. Donc Héloïse Even, moi je suis là en tant que Héloïse Even, ancienne auditrice donc du collège promo, on va dire, millésime désobéissance civile. Sacrée expérience. Est-ce que du coup c'était un cap dans ma montée en radicalité ou dans ma montée en colère? Oui Bernard, je te le confirme pour répondre à ta question de tout à l'heure, clairement. Aujourd'hui, moi je suis là pour essayer de effectivement questionner Bernard et Marine et puis vous faire parler surtout. Et moi personnellement, je parle en tant que femme, maman, citoyenne. Activiste non saboteuse et peut-être pas trop non plus désobéissante civile, mais peut-être activiste silencieuse. Je précise, fonctionnaire, tentant le pas de côté pour faire bouger de l'intérieur les choses, un petit peu, à ma façon. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, moi, j'essaye d'y croire. Donc, c'est de cette position et c'est de là que je vous parlerai ce soir. Et donc, Vincent Lhermitte, alors aussi fonctionnaire, pas fait exprès, cadre supérieur dans la fonction publique. Sur des fonctions même de direction générale. Ancien auditeur, d'ailleurs on est quelques-uns, ravi de les retrouver d'ailleurs dans la soirée. pas militant non plus, mais par contre ayant réussi à faire quelques pas de côté dans certaines institutions dans lesquelles je suis passé. Quelques-uns d'entre vous d'ailleurs ont pu participer à ces pas de côté. Pour ça tout à l'heure je salue Guy parce qu'il a connu une certaine expérience sur Pouzoge. Non, mais on peut le dire, parce que c'est vrai que c'est des situations qu'on ne rencontre pas souvent. Et j'interroge souvent sur le caractère plutôt légaliste, parce que je suis un peu le côté un peu froid, on va dire, analytique de la situation. Donc moi, je m'exprimais un peu plus là-dessus ce soir. Et l'idée aussi, c'est que vous puissiez, je réinsiste, que vous puissiez interagir avec nous. Donc n'hésitez pas à un moment donné à lever la main pour me dire où est Héloïse à moi. Si on peut poser une question, intervenir, et on viendra vers vous avec grand plaisir. Et avant de commencer et d'accueillir sur scène nos deux auteurs, pour participer, vous avez juste le droit de dire votre prénom, vous avez le droit de aussi donner un peu plus d'informations de d'où vous venez, de comment vous vous sentez, de pourquoi vous intervenez ou pas. C'est libre. L'essentiel étant de s'exprimer. Donc un prénom peut suffire, un peu de détails peuvent être les bienvenus, c'est vous qui le sentez, avec bienveillance. Sans jugement, ni envers vous-même, ni envers les autres. L'idée étant d'échanger, de mieux comprendre, de débattre de façon constructive, en essayant et en espérant de pouvoir ressortir avec des belles choses et des belles idées, chacun pour soi et avec les autres. Et du coup, sur ce, on va d'abord, remercier le dessinateur. Ah oui. Ça, je fais exprès. Je dis, on va l'oublier. Donc, je le dis dès maintenant. Vous avez tout un tas de dessins qui sont là, qui ont illustré derrière l'ouvrage, mais qui ont illustré aussi les différents ouvrages que vous pourrez trouver ici, que je vous recommande fortement, et à lecture, et à partage ensuite. Et donc son nom de scène, c'est Eud, mais bon, c'est Sylvain Gaillard, et en fait, ce soir, malheureusement, il ne pouvait pas être là, mais il a quand même illuminé pas mal de nos soirées en tant qu'auditeur ou en tant que spectateur des auditions. Donc moi, je tenais forcément à le remercier très chaleureusement. Et honnêtement, allez voir ses œuvres. Il y a des choses très, très sympas. Voilà. Donc, un grand merci à lui. Marine Jaffrézic, Bernard Lemot, s'il vous plaît. Merci. Les auteurs de... Ah, on n'a plus de... On n'a plus d'écran, Bernard. Ouais, on n'a plus de projection.
Donc, les auteurs de monter en intensité des contestations socio-écologiques non violentes. Je pense qu'on reviendra quasiment sur chacun de ces mots un petit peu plus tard. On n'a plus d'affichage pour projeter quelques dessins de Eudes. Alors, je précise aussi que c'est filmé et que du coup, pour ceux qui ne voudraient pas apparaître sur la caméra, en fait, il faut se mettre dans les derniers rangs derrière ces fameuses caméras. Donc, si jamais vous n'en étiez pas rendu compte, il est encore le temps de bouger ou au contraire de vous avancer. C'est au choix. Oh, s'il te plaît. Pardon. Ça y est, on peut y aller ? Ça revient, mais en D'accord. mode pas diaporama. Mais bon, tant pis. Hein. Donc, l'idée, c'est un peu comme nous, on va essayer de suivre globalement un peu le déroulé de l'ouvrage pour pas qu'on se perde trop. Mais on va pas insister sur l'ensemble de toutes les notions. On va surtout, nous, ce qui nous a interrogé aussi, donc on va interroger évidemment Bernard et Marine. Et puis, vous, si vous avez soulevé des interrogations, je rappelle, vous pouvez intervenir également. Donc, évidemment, on va parler de la contextualisation parce que nous, ce qui nous a interrogé, c'est pourquoi que Nantes, métropole ? Pourquoi certaines personnes et pas d'autres ? Oui, évidemment. La méthode employée et puis un certain nombre de termes qu'on soulignera. Le choix de la sémantique. Le choix de la sémantique était très important pour nous. Et puis, vous en profitez parce qu'on vous a présenté que par votre nom et prénom, mais vous avez aussi le droit de raconter d'où vous parlez. C'est ce que j'allais dire. Bonsoir, donc Marine Jaffrizic. Moi, je suis également ancienne auditrice du collège et en fait, j'ai fait l'année précédente. On était sur des enjeux de coopération avec certains dans la salle. Et Bernard m'a débauché l'année suivante pour travailler à l'ouvrage que donc vous trouvez là-bas sur la désobéissance civile. Et j'avoue que j'ai pris un grand plaisir avec cette deux secondes promo et sur cette thématique qui est, à mon sens, hyper importante et hyper importante pour les citoyens que nous sommes et les citoyens à venir, en devenir de nos sociétés. Voilà. Voilà, et Bernard, alors moi j'ai un très très grand plaisir à retrouver la majorité d'entre vous que je connais. On s'est quitté il y a pratiquement en 2019, ou fin 2019 ou début 2020, à l'aune de la crise sanitaire. Et depuis, je n'ai pas repris les conférences débats, les interventions. Et donc, cette soirée, c'est probablement la dernière, avant la dernière, peut-être. Mais en tout cas, c'est une des dernières et je suis très, très content de vous retrouver. Tu veux peut-être que je réponde à la question c'est un peu l'objectif accessoirement de la soirée ? D'accord. Alors, il vous a pas échappé, pour ceux qui connaissent un peu mes activités, j'ai beaucoup centré ces dernières années, lors de la création du collège, sur la question de la coopération, en prenant l'hypothèse que les modèles de demain ne pourront émerger que si on articule société civile, collectivité et entreprise. Bon. On a pas mal travaillé avec des collectivités, des partenaires, que ce soit en Vendée, en Sarthe, etc. Mais on voit bien la difficulté que représente de faire ensemble, quoi. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, vous le savez. Déjà, en intra, c'est compliqué. Au sein d'un territoire, c'est très compliqué. Voilà. Et donc... lorsque j'ai passé quand j'ai quitté le collège en septembre 2021 à Saint-Mélobin, j'ai rapidement posé l'hypothèse que compte tenu de l'horloge climatique quelque part et du peu de décisions que nos dirigeants prenaient, probablement. Et alors, c'est une question que vous m'aviez poser la question du probablement, c'est pas coquin de ma part parce que moi je me méfie des gens qui ont des certitudes. Donc je dis probablement les mouvements de contestation qui émergeaient et qu'on a pas mal exploré ensemble dans la période 2018-2019 devraient monter en intensité. Alors c'est joliment dit, hein, en intensité.
Le mot radicalité, on en reparlera. On pourrait utiliser le mot radicalité, on peut utiliser d'autres mots. Bref, ça va chauffer, quoi. Ça va chauffer sur les territoires et pas uniquement sur les questions de climat. Donc c'est une hypothèse. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc d'où je suis à l'époque, je me dis bon, on n'est quand même pas sur un territoire, enfin sur n'importe quel territoire ici à la métropole nantaise. Il y a bien pire ailleurs. Il y a un écosystème plutôt sympathique, favorable, ouvert, qui frotte, ça c'est clair. Mais on peut dire qu'il y a du sens quelque part, même si c'est un peu désordonné, etc. Je pense qu'il y a de quoi faire quelque part. Et donc l'idée, c'était, puisque il y a toujours des mouvements de contestation non violents qui menaient des actions sur le territoire, et que les échos que j'avais, c'était quand même que cette montée en radicalité pouvait un jour ouvrir sur des actions plus musclées. Là aussi, c'est un mot joli. Bon, on peut dire plus violente ou d'autres. La question qu'on pose et qu'on a essayé de traiter avec beaucoup d'humilité, hein, parce que on l'a dit dès le début de l'ouvrage, c'est pas un travail de thèse, on n'est pas sociologue. Il fallait faire ça relativement vite parce que globalement le temps du territoire nous rattrape rapidement. Et donc l'idée, c'est en termes de méthodologie, c'est d'aller interviewer des acteurs, pas les acteurs, mais des acteurs qui ont qui sont alors pas en prise directe, mais pas très loin quand même, des sujets de mouvements de contestation. Il s'agit pas de voir des intellectuels qui vont nous expliquer l'historique, etc. C'est une démarche très intéressante, mais là on souhaitait rencontrer des personnes du terrain, que ce soit des élus, des services, des entreprises, et puis bien sûr des activistes, et au passage le préfet. Dans les techniciens qui ont été interrogés, c'est ceux qui ont été autorisés à vous parler ou ils ont agi librement? C'est une question que je me suis posée à la lecture de certains passages. De mémoire, mais tu diras, Marine, hein, mais de mémoire, en fait, non. On connaît l'écosystème de la collectivité, on la connaît bien. Donc, on a plutôt ciblé des personnes aussi qu'on voulait voir. Alors après, il y en a qui ont dit non, hein, parce que... pour certains, par exemple, ça a été non, je préfère pas parce que si on parle, je vais trop en dire. À un moment donné, dans l'ouvrage, justement, il y a une petite une chose qui nous a un petit peu interpellé sur le public, justement, et les activistes silencieux. En fait, vous en parlez, mais on n'en voit aucun. Alors, je sais, vous allez me dire, ils sont silencieux. Certes. Mais si on arrive à les identifier, c'est que peut-être ils ont quelque chose quand même à dire qu'ils auraient pu exprimer dans l'ouvrage. C'est parce que vous n'avez pas réussi à les déterminer, peut-être, ou vous n'aviez pas envie de les entendre parce qu'ils sont silencieux. Non, pas du tout, évidemment. Il y a deux éléments, mais je voudrais revenir rapidement sur la question précédente quand même, parce qu'on n'a pas eu le sentiment d'avoir de frein aux sollicitations. En fait, on est passé par, personne ne nous a. On n'a pas eu de refus catégorique ni des hiérarchies ni de rien du tout. Après, en effet, a répondu qui voulait bien de ceux qu'on a sollicités aussi bien dans l'institution qu'en dehors de l'institution. Et puis on avait, comme Bernard le rappelait, une contrainte de temps, et je reboucle avec la question d'après, et donc aussi de périmètre et aussi d'efficacité finalement du propos dans un sens. Qui fait que c'est pas du tout qu'on les disqualifie, je crois que c'était ça la dernière fois, fallait changer de micro régulièrement. c'est pas qu'on les disqualifie, au contraire, mais c'était vraiment une question de resserrer le sujet autour du cœur de ce qui se passait. Ça veut pas dire qu'ils sont pas en proximité des activistes ou de n'importe quelle partie prenante de des sujets dont on parle, qu'on évoque dans l'étude. On a, comme Bernard le disait, on a resserré autour de ceux qui sont identifiés et au plus proche de l'action. Juste un point que j'ai oublié, c'était quand même le point principal. L'objectif premier de ces entretiens, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs, il n'y a pas
des espaces à créer ou à renforcer pour que ça se passe au moins mal. Voilà. Donc là, on vous livre un peu aussi notre pensée. C'est probablement ça va mal se passer. Et sur un territoire aussi, je vais pas dire aussi favorable, mais quand même pas loin. Je trouve que c'est, on a encore une fois un écosystème plutôt sympa. Est-ce qu'on peut, il n'y a pas quelque chose à inventer qui permettrait que, voilà, la pilule soit moins difficile pour tous. On va essayer de poursuivre sur la question de la sémantique et des mots. Du coup, je vais vous poser peut-être deux questions en une. La première, c'est quand même pour terminer sur cette question du périmètre de l'étude. On entend le territoire, c'est aussi celui que vous connaissez, les acteurs. Vous avez eu accès à des acteurs que vous connaissiez ou du périmètre que vous connaissez. Quid des agents de terrain? On a parlé des activistes silencieux. Moi, je vous parle des fonctionnaires, des agents de maîtrise. Je pense à ceux qui ramassent les poubelles au hasard, parce qu'on les connaît un peu. Cela, c'est parce que vous n'y avez pas eu accès ou parce que par rapport à cet objectif de l'ouvrage, c'était pas forcément pertinent ou à propos, du moins. Parce que la pertinence, elle est toujours là. Mais... Et si on s'est posé la question, c'est parce que ce sont ces personnes-là qui, lorsqu'il y a manifestation, sont en prise directe au moment de la manifestation et après la manifestation. Quelle qu'elle soit, quand je parle de manifestation, c'est au sens large. Hein. D'accord, au même titre que les commerçants que vous interviewez. Comme les commerçants. Et on s'est posé la question de pourquoi ils étaient absents. Non, très concrètement, c'est lié au périmètre, à la temporalité, à l'objet lui-même qui est très circonscrit. C'est il y a 4, 5, 6 mouvements qu'on a identifiés et qui bougent sur le terrain au niveau activiste. Et la question, c'est est-ce que chacun, entre collectivités et les activistes, on se regarde, avec l'État qui regarde également, ou est-ce que... et puis là, on connaît à peu près le déroulé du film. Hein. D'ailleurs, il continue à se dérouler depuis qu'on a démarré l'étude, et pas forcément dans le bon sens. Et si jamais on pouvait inventer quelque chose pour lequel chacun serait prêt à faire un pas de côté, ben voilà. Donc c'est vraiment très modeste hein, comme étude, c'est pas exhaustif. Il y a plein de personnes, et je sais que vous en faites partie, qui font bouger les lignes au sein des organisations, etc. Mais c'est pas l'objet, c'est ni sur la RSE, ni sur les lanceurs d'alerte, ni sur ceux qui font bouger, etc. Et c'est pareil, je rebondis, c'est-à-dire que c'est une étude exploratoire. Moi, je serais ravie de continuer hein, à explorer ces sujets-là, parce qu'on a aussi, et c'est vraiment pas par ni méconnaissance de l'écosystème, ni par négligence, mais il y a aussi toutes les tout le tissu associatif. Enfin, bon, voilà, il y a plein de sujets qui restent à explorer. Là, c'était vraiment les acteurs les premièrement identifiés. Et socio-écologique et non-violent. Voilà, on a délimité, on est vraiment parti. En fait, c'est une déclinaison aussi à partir des travaux qui ont été faits précédemment sur la désobéissance civile et la question de la démocratie incarnée sur un territoire. Et, c'est ça, parce que est-ce que c'est la démocratie incarnée ou l'action incarnée ou est-ce que c'est la contestation, l'activisme? C'est ouvert. On n'a pas répondu à cette question. Peut-être qu'on y répondra à la fin. Et du coup, peut-être pour aller un peu dans ce sens et par rapport à ce que tu dis, dans l'idée de se dire maintenant l'ouvrage est écrit, les interviews sont faites et publiées, il y a même du temps qui s'est passé. Si vous deviez retenir un mot, dans tous ces mots en fait, notamment de définition de ces mouvements, de la question de la non-violence, de la question de la radicalité sur laquelle on aimera quand même que vous alliez un petit peu. On y reviendra, Vincent on viendra vous chercher là-dessus. Ouais, vous n'avez pas le droit de répondre radicalité dans les mots choisis, en fait, parce qu'on va y revenir après. Mais voilà, c'est voilà, et à la rigueur, pour aussi un peu éclairer, avant d'aller plus avant, la question, la thématique et le périmètre de cette étude, si vous aviez un mot que vous voudriez nous définir parmi tout ce champ sémantique de ce réseau d'activistes que vous avez interviewé, ce serait lequel ? Déjà, moi, je désobéis à la question. C'est insupportable pour moi de répondre en un mot. Je répondrai pas en un mot, mais j'en donnerai trois. Il y a la tension. Et tension, c'est pas que la tension entre les gens, c'est la tension de l'élastique, les extrêmes qui s'expriment de plus en plus fort et le fait que quand ça se tend et que ça pète, ça, voilà, potentiellement, il y a des retours de bâton un peu violents. La tension.
l'envie, parce que il y a quand même, je déteste le mot d'espoir, donc je l'utiliserai pas, mais il y a ça derrière un peu. C'est vraiment, on sent quand même que, ben voilà, on est tous dans la même barque, on est désemparés, on a envie d'y aller. On a senti ça chez vraiment tous les gens qu'on a sollicités. Et puis j'en avais un troisième que j'ai oublié, du coup je donne la parole à Bernard. Il faut que je réponde aussi. C'est bien parce que c'est toi, parce qu'en général on a horreur du genre de questions. C'est fait exprès. C'est gentil, ouais. Moi, je dirais, ce que j'ai relevé comme ça, c'est éco-anxiété. Notamment chez les jeunes. Oser, donc ça, c'est, on en reparlera peut-être, oser ce pas de côté. Et puis, décalage. Décalage entre, des personnes situées différemment. Il n'y a pas de critique derrière ce mot décalage de ma part, hein, c'est un constat. Justement, alors, le décalage, nous, on l'a constaté effectivement à la lecture. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Mais oui, le décalage, on l'a ressenti justement sur la notion de radicalité. Et quelque part, ce soir, moi, je souhaiterais, enfin, nous souhaiterions, parce que c'est en accord avec Héloïse, que vous puissiez nous donner quelque part un vrai périmètre de la radicalité tel que vous l'avez à la fois ressenti et comment vous l'avez vécu et comment vous avez analysé comment les autres la vivaient. Parce qu'en fait, nous, ça nous manque un tout petit peu dans la lecture de l'ouvrage. Et vous? Vous avez le droit d'intervenir, vous levez la main, moi je me lève et je vous apporte le micro. Je constate que je connais toutes les personnes qui ont levé les mains et j'ai noté. Tu peux garder le micro pour répondre? J'avais vraiment pas envie de répondre à cette question. Oui, on est bien parti. Alors, bah, je vais pas désobéir deux fois, ça se fait pas. Non, c'est compliqué, la question est très compliquée pour moi. Donc vous nous avez sollicité à titre individuel dans la façon dont vous l'avez formulé, c'est comme ça que je l'entends. Je vais donc répondre en mon nom propre. Les formes de radicalité, elles sont extrêmement variées et à mon avis, il y a autant de définitions de la radicalité que d'individus, aussi bien du côté des activistes que du côté, enfin, pour parler des gens qu'on a interviewés, mais c'est vrai en règle générale un peu partout. Et la montée en radicalité, elle peut s'exprimer de plein de façons différentes et dans ce que, en tout cas moi, les champs d'expression de cette radicalité. Alors oui, il y a de l'expression de colère. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs qui se passent dans mon dos. Ah non, pardon. Il y a de l'expression de colère qui peut passer juste par de la colère intérieure, de la colère qui se manifeste plus de façon plus extérieure. Mais il y a aussi tout simplement un changement dans la sémantique de certaines personnes. Et il y a des gens que parfois on a pu croiser en amont de l'étude même, et même si c'est de loin, c'est pas des proches et des intimes, hein, mais voilà, dont on a pu constater que la radicalité passait par un resserrement, peut-être, je sais pas comment le dire, un rétrécissement du champ de tolérance. Mais c'est tout ça est lié aussi à l'éco-anxiété, au sentiment d'urgence, qui était le fameux troisième mot que j'ai oublié tout à l'heure, qui va de pair avec tout ça. Voilà. Ah non. Je dirais pas mieux. Tu vas pas de pair plus que ça. Je la repose pour toi, Bernard. Tu as parlé de décalage. Du coup, Vincent t'interroge, enfin nous t'interrogeons sur effectivement ta définition de la radicalité et t'as parlé de décalage. Et du coup, moi j'aimerais comprendre et avoir quand même un peu votre sentiment ou votre ressenti a posteriori de la rédaction du livre et des interviews que vous avez faites, de ces décalages même internes, voire ces ambiguïtés, voire ces aspects un peu schizophréniques. On vous parlait des articulations, moi je vois des divergences parfois dans les propos. Est-ce que ça peut... Voilà, je pense que tu vois où je veux en venir. Je le sens dans tes yeux. Est-ce que sinon, c'est ça aussi, cette définition de la radicalité, c'est cette espèce de mélange de aussi, on dit quelque chose et son contraire. On est d'accord, on veut dialoguer, mais voilà, chacun ses conditions. Et voilà, est-ce que ton ressenti après ce travail-là était différent aussi? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Comment vous le... Entre avant et après?
En fait, la parole qu'on a recueillie confirme un peu ce que tout le monde a en tête, c'est que chacun chemine à des moments différents dans sa vie et à des étapes de radicalité différentes, avec des zones qui sont insupportables pour certains à l'instant T, qui pourront probablement être envisagées un peu plus tard. Et puis donc chacun est à un chemin de son parcours de vie, et quelque part on va retrouver tout le type d'action qu'on a relevé dans l'ouvrage, en essayant de clarifier, parce que on en reparlera peut-être, mais le mot qui ressort le plus, c'est le mot violence, quoi. C'est-à-dire qu'on l'utilise à toutes les sauces, que ce soit ressenti, réel, voilà. Donc il a fallu qu'on clarifie ça. On voit bien un crescendo dans le type d'action en termes d'intensité. Et puis là, le volet interrogatif que je pose, hein, c'est globalement, est-ce qu'il ne faut pas une articulation de toutes ces radicalités pour faire bouger les lignes? Voilà, c'est la question de l'articulation. Et certains, de mémoire, et c'est même un élu, je crois, qui dit que s'il n'y avait pas eu cette articulation, Notre-Dame-des-Landes probablement aurait été, on aurait déjà un aéroport. Voilà. Oui, je prolonge ce que tu viens de dire, Bernard. On a déjà souvent parlé de cette histoire avec, pour les plus anciens, le carnet, le pèlerin ici. Ça a été ça aussi. Notre-Dame-des-Landes a cristallisé les mêmes questions qu'on se posait déjà à l'époque. Et moi, à cette question-là, à la lecture de ce que vous avez écrit, c'est plutôt, est-ce qu'il y a une expression pour la radicalité qui serait hors de la violence? C'est ça enfin, ce que j'ai retiré de ce que vous avez lu, plus qu'on a vécu ensemble avant. C'est vraiment le fond de ce que je retire de vos entretiens et qui n'apparaît pas aussi clairement que ça dans les conclusions, mais qui est sous-tendu à ça. Et en particulier, est-ce que nous tous là, avec notre expérience ou avec l'expression de la jeunesse dont on a fortement besoin, on est capable d'apporter des lieux et des formes qui permettent justement à cette radicalité de s'exprimer? Voilà comment j'ai lu votre périmètre de radicalité, je sais pas. Non, mais merci Guy, puisque c'est dit, non, enfin, je pense que ça résume tout à fait ce qu'on a maladroitement formulé, sans doute. Non, mais moi je le dis, c'est très bien dit, mais je pense que on se rejoint. Ouais, c'est exactement le propos. Vincent, j'ai eu l'occasion d'avoir des actions militantes dans un collectif Rome Europe. Et il se trouve que je suis élu municipal actuellement. Et ce que ça m'évoque, cette question de la radicalité, en fait, c'est sorti un peu comme ça de cette expérience-là. Pour moi, c'est en tout cas le moteur, au moins, de la radicalité, ce serait le refus de l'impuissance, en fait. Et si on arrive à trouver un chemin qui permet d'activer une action efficiente, sans violence, ça marche. C'est quand on se bute à des impossibilités que finalement on cherche d'aller faire des actions plus fortes et donc du coup, à un moment donné, plus violentes. Et j'ai l'impression que c'est une entrée qui permet de comprendre justement la relation, si elle existe ou pas, entre la radicalité et la violence, qui peut exister ou pas en fonction de la façon dont on l'accueille. Voilà. La question de la violence, elle va revenir effectivement, et je crois que je vais faire un rebond par rapport à ce qu'on a vécu il y a 4 ans. Tout à l'heure, je disais que c'était l'anniversaire de ce qu'on avait vécu, nous, sur la désobéissance civile. Ça avait été vous me direz si je me trompe, mais ça a été un des mots d'accroche, en tout cas dans nos discussions dans le groupe. La violence, comment on la place, c'était vraiment très très fort dans nos discussions, très fort. Hein, ça a même créé quelques tensions, on va dire, et ce qui était normal. Hein, on venait tous d'horizons différents, donc c'était logique. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment l'interroger par rapport à ce que vous venez. Je rebondis là-dessus. C'était aussi une des questions qu'on voulait vous poser entre radicalité et violence, parce que ça revient très très fort dans les définitions, hein, qui sont données. Oui, dans la présentation.
Et c'était aussi là-dessus quelque part. C'était nous. Il y avait. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous avez donné toutes les définitions, certes, mais est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a vraiment une action qui vous a dans les interrogations que vous avez pu avoir avec vos, dans vos interviews? Est-ce que finalement c'est plus le côté violent? Alors la violence, effectivement, on l'interprète de tout, de son vécu. Qu'est-ce qui est violent finalement? D'accord? Être contre la loi, c'est violent. Tout simplement. Voilà. Pour toi. Oui, non mais on est d'accord. Exactement. Donc voilà. Et donc quel est le degré de violence que vous avez pu un petit peu analyser dans les propos? À quel moment vous avez senti que les gens parlaient de violence? Est-ce que c'était vraiment parce qu'il y avait une envie de percuter ou simplement c'était un ressenti? C'est-à-dire que la violence, est-ce qu'elle s'exprimait sur eux ou est-ce qu'ils voulaient entre guillemets avoir eux une action dite violente, alors, et tous les guillemets qu'on va mettre autour? Quel était plutôt le positionnement dans vos propos, dans vos discours? Je crois que j'ai vu. Alors en fait, on a été amené à clarifier, mais c'est très artificiel. Enfin artificiel, c'est pas figé. Il y a pas. On avait besoin de clarifier cette notion de manifestation, de dégradation, de sabotage, et puis de violence sous l'angle un peu juridique, c'est-à-dire ce qui est violent, c'est ce qui touche à l'autre sur le plan physique ou psychologique. Voilà. Bon, là, on cerne un peu mieux le sujet, même si demain, vous et moi, on va utiliser « Ah, qu'est-ce que c'est violent, cette disposition, etc. » Voilà, donc on est dans le langage courant. Mais on a besoin quand même de clarifier ce sujet, sachant que, alors, une fois qu'on s'intéresse à la violence physique ou psychologique, eh bien, c'est pas si simple que ça non plus, parce que on nous renvoie, oui, mais ce que fait l'État ou ce que fait les entreprises ont des conséquences violentes au sens physique et psychologique sur des individus, etc. Voilà. Donc l'idée, c'était pas de faire des catégories, c'est des points de repère simplement, des points de repère pour ne pas trop se tromper sur qu'est-ce qu'on appelle violent, pas violent, ressenti ou pas. Voilà. C'est encore une fois beaucoup de modestie dans la démarche, quoi. Oui, Patrick, militant écolo depuis longtemps et ancien élu. Mais avant le rapport à la violence, je trouve que c'est un peu dommage quand aussitôt, dès qu'on dit radicalité, on repose la question de la violence. Pour moi, avant cela, il y a le rapport à la loi. Est-ce que je reste dans un cadre légal, et notamment quand je suis élu, est-ce que je reste dans un cadre légal ou est-ce que je désobéis en responsabilité? On sait très bien que souvent les innovations, ce sont des désobéissances qui ont réussi. La loi vient, ne précède pas le changement de la société. La société bouge et ensuite on fait des lois ou on fait évoluer des lois pour qu'elles s'adaptent à cette société qui a bougé. Donc en fait, on est confronté. Et vous voyez, le mot que j'ai employé, c'est se mettre dans un cadre légal, mais pas « youpi, je m'en fous de la loi ». Je désobéis parce que je considère que la loi, sur ce moment-là, n'est pas juste, n'est pas bonne. Je le fais en responsabilité. J'accepterai éventuellement d'être condamné, d'être jugé, d'être condamné. Mais je considère que c'est le moyen nécessaire pour faire bouger la société. Vous voyez bien quand, sur la question des migrants, des choses comme celle-là, si on se contentait à chaque fois de ce qui est légal, on n'aurait pas fait bouger les choses. Donc, c'est pour ça que, enfin, c'est une vraie question aussi, le rapport à la violence, mais je voudrais qu'avant la violence, qui est une des formes de désobéissance, il y a plus généralement le rapport à la loi en responsabilité. Alors, peut-être un mot sur merci Patrick hein, pour ta remarque, elle est très intéressante parce qu'on a eu des témoignages d'élus sur le sujet qui ne peuvent pas, bien évidemment, soutenir de désobéir à la loi. Enfin, sous l'angle pour un élu, c'est pas possible de dire ah ouais, bravo, c'est super, vous avez désobéi, etc. Bon, en revanche, dans nos témoignages, et on donnera pas de nom, mais il y en a plusieurs élus, eux, avec des postes à responsabilité très importantes, et j'en en dirai pas plus, qui considère que effectivement, comme tu le dis, l'histoire se construit en marge de la loi, et donc on peut comprendre, pas accepter, mais on peut comprendre qu'il y ait
non pas de la violence, mais qu'il y ait de la dégradation. Voilà, c'est la ligne rouge que mettent nos interlocuteurs. C'est on ne touche pas à l'intégrité de l'autre sur le plan physique et psychologique. On peut comprendre qu'on ça fait d'ailleurs l'objet d'une affiche de Sylvain sur où un militant casse une vitrine HSBC et l'élu qui lui dit sous l'angle en tant qu'élu je peux pas accepter ce que mais en tant que citoyen je peux comprendre, voilà. Bon, et l'activiste qui lui dit ouais, et c'est quoi la décision finale alors, la position là, voilà. Donc ils comprennent, on peut voilà, mais ils ne peuvent pas accepter. Alors par contre, la ligne rouge, elle est sur la question de l'intégrité de l'autre, voilà. Moi, pour rebondir là-dessus, par rapport à la question de l'ouvrage, on est sur les mouvements de contestation socio-écologique. Là, c'est même plus une question de loi là. C'est une question d'urgence climatique. C'est une question, ou alors est-ce qu'on donne une valeur juridique à ce qu'on est en train de détruire, qui sont les ressources naturelles dont nous avons besoin pour nous survivre, parce qu'elles, elles se renouvelleront après nous. Donc là, on n'est même plus sur la question de la loi. La loi, on désobéit pour faire changer la loi ou pour que la loi prenne en compte cette urgence-là. C'est très bien dit dans le livre aussi à un moment donné, des activistes qui disent « mais en fait, on aimerait qu'au moins, à minima, les élus affirment que oui, on est conscient, oui, on a compris, oui, il y a urgence, oui, on entend et on va essayer de faire quelque chose. » Apparemment, même ça n'est pas suffisant. Donc là, en fait, dans « Désobéis-moi », on était sur cette question-là. Là, ça va encore plus loin, quoi. Et ça, du coup... on fait quoi et ils en disent quoi et comment en fait effectivement, parce que là c'est même plus faire bouger la loi, là c'est faire bouger le cadre, l'institution, pour que ça réponde à ça. Ah bah super. Bon, je vais pas le faire à chaque question, mais voilà. C'est pas facile et je n'ai pas la réponse et nous n'avons pas la réponse, bien entendu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'en effet, c'est ce qui s'exprime, c'est ce que chacun exprime de la manière. Chacune des personnes qu'on a rencontrées vit et différemment depuis l'endroit d'où il parle, mais enfin vit cette tension d'élastique un peu et qui pour le coup peut aussi être un peu interne, hein, parce que on a parfois des occupations professionnelles où notamment professionnels qui peuvent aller titiller ce sentiment d'urgence d'urgence. Je sais pas trop quoi en dire de plus, Héloïse, sincèrement, parce que je vais essayer de faire un petit parallèle sous forme de synthèse de ce que je ressens depuis le début. Alors, je m'appelle Jean-Michel. Je suis dans le bâtiment, dans le BTP, le bois terre paille. Et j'interrogeais la notion tout à l'heure de faire, parce que l'activisme, pour moi, c'est peut-être avant tout le faire. J'ai le sentiment, dans la façon que vous avez d'aborder les choses, on limite l'action citoyenne à la violence, en fait. Parce que la seule possibilité, c'est d'être pour ou contre. On n'est que pour ou contre, on est militant. Et c'est l'expression d'une forme d'impuissance, la militance. Et elle ne peut s'exprimer face au constat que ça n'avance pas que par la violence. Que par la violence, et comme en face ça répond avec les cagoulés masqués, on n'est pas bien sorti. Alors que l'activisme du faire, et moi on parlait de nécessité de faire évoluer la loi, dans le bâtiment, la première construction, on ne peut construire en paille que depuis 2012. Les premières constructions ont été faites en dehors de la loi, et certaines communes, surtout les petites, où on ne souffre pas de l'inertie institutionnelle qu'on observe partout et qui est même signifiée dans le retour dans le texte. L'élu qui parle, on le sent plein d'envie aller voir les fonctionnaires de la Comcom, leur dire « ouais, j'ai une idée, on y va, mais non, nous on fonctionne comme ça et c'est comme ça qu'on fonctionne et on a notre cadre, on a notre rail et on reste sur notre rail ». Forcément, ça engendre de l'impuissance, ça peut engendrer de la colère, de la frustration, mais je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est qu'on arrive à un moment donné à soutenir ceux qui font les choses pour de vrai, qui mettent en pratique le pas de côté, qui ne sont pas simplement pour le pas de côté, mais qui le font, qui le mettent en œuvre. Et ceux-là ont besoin d'être soutenus. Tu le sais, Bernard. Je t'en ai parlé plusieurs fois, je te l'ai même écrit. Et on a besoin de ça. Or,
malheureusement, l'institution, les militants fonctionnaires, hein, malgré toutes leurs qualités et leur dévotion, ou leur dévouement plutôt, enfin quoi, des fois on se demande avec ce qui se passe aujourd'hui dans la société, hein, l'actualité, la politique, il y a une nécessité de laisser, d'entendre ceux qui font, qui portent les valeurs. Enfin, moi, je suis dans le bâtiment, comme je vous l'ai dit, le Waterpaille. Il y a une dynamique de réseau qui s'exprime à travers ces acteurs qui irriguent nos territoires, qui créent des liens à partir d'énergie vertueuse parce que ils sont engagés par passion, par militantisme quelque part. Mais ils ont choisi de faire. Et je pensais, parce que j'ai vu une personne passer tout à l'heure, je pensais à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est aussi un faire. D'un pas de côté, le lien avec Notre-Dame-des-Landes, c'est l'habitat léger, l'habitat participatif. Pourquoi toutes ces notions-là ne sont-elles pas soutenues par les institutions? Parce qu'elles sont en dehors du cadre. Bon, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. Merci. Alors là, on revient, il y a une question là-haut. Là, on revient sur le périmètre de l'étude. Hein. On va pas me faire le procès de pas faire du frottement bienveillant avec les collectivités pour faire émerger des projets de territoire. Donc on est tous plus ou moins sur les questions de frottement bienveillant, mais c'est pas l'objet de l'étude. Par contre, la question d'Héloïse sur l'urgence, etc., c'est une des propositions qui est ressortie, et sur le pas de côté que devrait faire la collectivité. Et les activistes, quelque part, attendent à ce que la collectivité prenne position, mais fortement, pas mollement, quoi, en déclarant des urgences, en déclarant des mobilisations, etc. Enfin, la situation le mérite. Et là, certains activistes ne comprennent pas ce manque de courage politique sur ce sujet. Et donc, c'est une des propositions qui est côté collectivité, hein, pour faire un pas de côté et prendre position fermement. C'est déjà pas mal de prendre position. Après, il faut mettre en adéquation la réalité d'action vis-à-vis des grandes déclarations, mais ce serait déjà pas mal, quoi. Donc, Catel, je suis élue à La Chapelle-sur-Erdre. Deux remarques. Enfin, cette question de la violence, je pense qu'on. Enfin, moi, je la ressens assez profondément. Hein. C'est-à-dire que j'aurais pas dit, je pense, il y a quelques mois, là, il n'y a plus que le sabotage. Ou alors, avec cette ligne rouge, effectivement, de la non-atteinte aux personnes. Ça me paraît évident, mais sur toutes les autres formes qu'on peut appeler violence par ailleurs, et notamment de sabotage, parfois, on se dit qu'il y a plus que ça à faire. C'est-à-dire qu'on est dans des situations à différentes échelles où on a des murs autour de soi, et que faire à part taper dedans pour essayer de les faire casser? Enfin, on sort de la période des retraites où du mouvement des retraites qui a reposé de l'impuissance dans les collectivités locales, dans les communes. C'est absolument terrible, ce sentiment d'incapacité à agir. Donc voilà, donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire c'est vraiment cette frustration qui fait monter cette idée que par la violence, hors vis-à-vis des personnes, il y a pas de solution. Et puis, pour revenir à l'échelle d'une métropole comme la nôtre, ce qui était évoqué juste avant est assez juste, c'est-à-dire que on peut regarder de la position métropolitaine avec un certain envie des collectivités, enfin des communautés de communes plus petites, probablement plus agiles, moins technocratiques, qui, je pense très très réellement, inventent du nouveau, comme il peut s'inventer du nouveau dans des endroits comme la ZAD, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans des carcans techno, où il faut d'abord un schéma stratégique qu'on va mettre 2 ans à faire, avec un super PowerPoint à la fin, qui crée aussi du sentiment d'impuissance et une certaine envie de révolte. Donc effectivement, moi je suis un peu, enfin je suis dans l'institution, même si je suis une petite élue d'une petite commune, mais effectivement pour les activistes et ceux qui sont dans les mouvements de protestation, ça c'est, je pense, encore plus insupportable. Donc double sentiment d'impuissance, du contexte et de la rigidité institutionnelle. Pour résumer, essayer de résumer, Catel. Une réaction ou je prends directement une autre intervention? Bonsoir. Donc Pascal, citoyenne et aussi professeur dans une école d'ingénieurs de la métropole.
Je me permets de revenir sur quelque chose qui paraît évident, enfin, sur les différentes interventions, c'est sur la ligne rouge. Hein, on ne touche pas à l'intégrité physique et psychologique de l'autre. Quand des étudiants des grandes écoles qui s'attaquent, entre guillemets, au président de Total et qui disent « Pouyanné assassin », où je me place là ? Parce que moi, en fait, en tant qu'enseignante, je me pose des questions sur ce que je dois faire aujourd'hui, mais avec une certaine angoisse, hein, je vous cache pas, pour enseigner à ces ingénieurs, qui vont construire la France là de demain, mais pas dans un grand futur là, avec toutes les urgences auxquelles ils sont confrontés, les défis vertigineux auxquels ils sont confrontés. Donc, comment vous placez cette ligne rouge en fait ? Voilà, parce que donc je m'interroge sur les pressions psychologiques aussi qui font partie aussi des méthodes qui peuvent être employées. Ok, je reviens après. Non ? Bonjour, Alan, citoyen lambda. On a parlé d'une ligne rouge entre la dégradation, sous-entendu du matériel, et l'atteinte aux personnes. Je ne comprends pas cette ligne rouge non plus. Dans l'actualité, on a eu des personnes qui se sont fait couper les freins de leur voiture, qui se sont fait incendier leur maison. Et ça a choqué tout le monde. Comment est-ce qu'on peut mettre une ligne rouge à cet endroit-là ? Si vous avez des explications, je suis preneur. Avec la gestion de certains paradoxes, souvenez-vous lorsque il y a eu certaines actions dans des banques où on a retiré le mobilier pour le mettre dehors, c'était la Société Générale de mémoire, je crois, et là, on est d'accord, au final les banques ont-elles agi derrière ? Pas plus que ça. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de contestation contre ce mouvement ? Pas plus que ça, médiatiquement je parle, hein, parce qu'à chaque fois c'est le médiatique derrière qui fait rejaillir l'ampleur d'une action. Les enlèvements de portraits du président dans certaines salles. Et on peut vous en parler parce qu'on nous a fait vivre cette situation lors de notre parcours. On nous a fait revivre cette situation, je m'en souviens très bien. Il a fallu que je vire Bernard de la salle pour pouvoir... C'était ça, hein, je crois, de mémoire. On a récupéré le portrait. Ah, c'était pas le portrait de Bernard, non. Il n'était pas encore président. mais cette ligne rouge, elle se pose quand même, et elle se pose de chaque côté, en fait. Elle se pose à la fois du côté du militant, mais elle se pose aussi du côté de... celui qui reçoit le militant. Alors, quand j'y reçois, c'est pour éviter de dire qu'il y a une action violente, forcément. D'accord ? On est d'accord ? Mais on est encore sur une autre ligne. Vous voyez, on déplace une ligne à un moment donné. Donc, je suis en train de répondre pour eux, en plus. Donc, c'est pas logique. Hein, mais, Je ne sais pas s'ils voulaient répondre, mais moi, j'ai plein de gens qui veulent intervenir. Ben, vas-y. Donc, on poursuit. Alors Marine, vas-y. C'est un petit truc par rapport à votre remarque. Il y a quand même la notion, on a pris la précaution de le noter dans l'ouvrage, on s'est appuyé sur le cadre juridique pour cette définition qui fait la distinction entre de la violence et de la dégradation. Voilà. Oui, de peur qu'on s'ennuie dans cette salle, je vais prendre le rôle courageux de l'éco-terroriste. Voilà, je vis à Notre-Dame-des-Landes et pourtant j'ai commencé ma vie militante dans les traces de Jean-Baptiste Libouvan et Lanza del Vasto, en arrachant du maïs. Mais la question que je me suis posée en réfléchissant au dialogue de ce soir, c'est si j'étais un de ces préfets qui est censé donner une violence, libérer une violence proportionnée, par exemple en lâchant des bombes sur les gens qui défendent l'accès à l'eau pour tout le monde, quelle violence proportionnée je libérerais contre des gens dont les agissements tendent à faire disparaître l'espèce humaine dans son entier. Voilà. C'était histoire de gagner un point Godwin dans la soirée et de parler de l'urgence climatique. Voilà, si ça peut un peu libérer la tension. Qui ose renchérir ? Ah, attendez, ouais. Avant que le micro vous arrive, ça me permet de faire la transition. Plein d'actualités. Enfin, je ne sais pas comment vous avez réagi à ce qui s'est passé sur l'arrestation des activistes qualifiés d'éco-terroristes, parce que c'est comme ça que ça a été vécu. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Pour moi, c'était un rebond plein et entier par rapport à l'ouvrage. Hein. Donc, je ne sais pas si jamais vous avez des réactions là-dessus. Il ne faut pas hésiter. Je pense que... Comment vous faites-y ? Voir les choses, quand même. Voilà, c'est dit.
Bonjour, Noam. Moi, je suis en stage à la Métropole. Et du coup, bah, c'est pas tout à fait sur la même chose, mais je me demande, en fait, de manière très concrète, un peu opérationnelle, vous avez parlé de dialogue dans le livre, du coup, entre institutionnel, Métropole et tout ça, et milieu plus militant. Et du coup, moi, j'avais envie de poser la question de c'est quoi les espaces de dialogue, les dispositifs à mettre en place qui seraient souhaitables de manière très concrète. Ça porterait sur quels objets? On y ferait quoi? Parce que du coup, j'ai l'impression, enfin, il y a beaucoup d'interventions et moi, j'ai l'impression que ça tourne autour et j'aimerais bien avoir des pistes un peu. Alors, je ne vous rassure pas, c'était quasiment les questions suivantes. Et j'en profite pour dire à Bernard et Marine, non, nous n'avons pas blessé les questions au public. Il va croire que j'ai mis une taupe dans la salle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, parce que, en fait, on a un petit peu quand même préparé avec eux précédemment. Et ça faisait partie des questionnements que nous avions. Merci de l'avoir posé à notre place. Ça nous dédouane un tout petit peu. À vous la parole. Et la salle peut peut-être avoir des propositions à faire aussi. Alors, c'est vrai que ça ressort beaucoup dans l'ouvrage et à travers la rencontre de l'autre, quelque part. Et on se dit, mais pourquoi la collectivité, pourquoi c'est si difficile de travailler ensemble, quoi, quelque part? Pourquoi il n'y a pas d'espace, d'échange entre des services et un collectif d'habitants ou des élus? Et voilà, pourquoi c'est pas si simple que ça, quoi? Je vais pas dire que dans l'entreprise c'est magique, extraordinaire, mais enfin c'est plus simple, quoi, en termes de relations. Alors et des fois il y a les contrats de travail qui permettent aussi de rendre les choses un peu différentes. Mais ce que tu évoques et ce qu'on a ressorti à travers l'ouvrage, c'est un vrai besoin. Alors un besoin avec beaucoup de réticence, hein, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir vous dire que les activistes sont hyper partants pour avoir des espaces d'échange avec la collectivité, et puis j'aimerais pouvoir vous dire que la collectivité, les élus, les services sont hyper partants pour expérimenter les espaces d'échange. C'est pas le cas. Bon, ils ont compris que, enfin, ils savent que ça passe par là quand même. Ça serait bien de passer par là. Individuellement, ils aimeraient bien, mais la technostructure empêche. Voilà. C'est pas compliqué, c'est un système complexe, en silo, et on se rend bien compte que ça va être difficile. Alors ça progresse quand même, parce que le frottement dont tu parles des uns et des autres sur les territoires, ça aboutit quand même à quelques initiatives autres, mais pas à l'échelle du temps que nous avons devant nous. Voilà. Donc c'est une proposition forte, hein, c'est de se parler, quoi. Et pas avec des masques. Et donc, à côté de cette proposition, et ça, on en a échangé les uns avec les autres, ça va pas se faire naturellement. Donc, si ça se fait, il faut passer par un tiers de confiance, un espace tiers, reconnu par les deux parties, pour essayer d'amorcer quelque chose, à définir d'ailleurs. C'est quoi? Ouais, avant de, je passerai le micro à Vincent qui trépigne un peu. Non, en tout cas, ce qu'on a constaté à travers l'étude, c'est que il y a une envie de dialogue en vrai. Bernard l'a dit. Il y a une difficulté qui, ok, il y a la question de la technostructure. Il n'y a pas que la technostructure. Il y a avant tout les espèces d'architecture mentale qu'on a et les représentations qu'on a chacun. Et c'est ça le frein principal. C'est que c'est difficile, même en étant extrêmement bienveillant, extrêmement tolérant, extrêmement tout ce qu'on veut, indulgent, parce que on parle jamais de l'indulgence. Moi, c'est un terme que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, est important, aussi bien individuellement que collectivement. Et de l'indulgence, eh bien, c'est difficile d'accepter les contraintes de l'autre, et même en connaissant son champ de contraintes, d'accepter que ça va nous en imposer. Et quand on est face à des urgences pareilles, à une telle énormité de situation, à un truc tellement systémique qui nous dépasse, qui nous angoisse, qui nous désespère parce qu'il nous confronte à notre impuissance. Enfin, on n'arrête pas de tourner autour de ça. Je radote un peu parce que je reviens beaucoup sur ces leviers personnels, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité, c'est un des verrous qui est difficile à lever. Et quand on échange avec des individus, parce que donc la démarche qu'on a eue, c'était d'aller à la rencontre d'individus,
avec qui on a passé à peu près une heure et demie et avec qui on a, je pense que tu me contredis si je dis l'inverse, mais on a réussi avec chacun, allez, à deux exceptions près, avec chacun à avoir un vrai échange, un vrai questionnement qui s'est fait en direct, pour pas dire en marche, devant nos yeux. Et avec une vraie authenticité de questionnement individuel, en fait, et qui, j'en doute pas, s'est poursuivi après, et certaines fois, on le sait. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, c'est ça le frein principal. Et qu'après, on se retrouve aussi, pour prendre des exemples à peu près extrêmes, on a d'un côté certains activistes qui ont choisi de s'engager intégralement dans la militance, c'est-à-dire qu'ils ont même plus de travail ou même pas de travail ou arrêter leurs études pour pouvoir s'investir tellement la cause leur semble importante, c'est dire si leurs valeurs sont mobilisées à chaque étape de leur quotidien, et ça engage quand même le reste de leur avenir, hein. C'est des choix forts et que c'est des choix qui se font de plus en plus massivement, ça dit des choses de la société. Et de l'autre côté, à un autre extrême, on a aussi parfois des réponses de gens qui sont et qui ne manquent pas d'authenticité et de valeur non plus, c'est pas la question, mais qui ont, selon leur propre champ de référence et puis parfois un côté légitimiste, enfin légaliste pardon, beaucoup plus fort, donc on a les légitimistes d'un côté, les légalistes de l'autre, si je schématise à gros traits, hein, avec en référence à un système et des fonctionnements et des rouages auxquels ils doivent parfois se conformer. Et c'est difficile d'accorder les deux violons et les deux temporalités. Et donc, en fait, on n'a pas la réponse à la question de comment faire de manière opérationnelle. Nous, on peut que ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir si déjà il existait une envie et d'essayer de voir ce qui émergeait à travers les envies exprimées de part et d'autre, s'il y avait quelque chose qui pouvait sembler se rapprocher et donc qu'on pouvait imaginer par la suite réussir à mobiliser et à construire quelque chose. Après, la forme, c'est tellement compliqué, quoi. Donc on n'a clairement pas la réponse, et si vous avez des idées, des propositions, des trucs, pas de problème. Et par rapport au pas de côté, on a eu beaucoup ce propos-là, y compris de la part des élus, etc., hein, de... Mais oui, on a envie de le faire, le pas de côté. Mais c'est pas toujours facile de le faire, le pas de côté. Et c'est engageant à titre individuel. Et on voit bien ce que ça provoque chez certains élus et les risques parfois qu'ils peuvent prendre en faisant des pas de côté. C'est pas simple, en fait. C'est simple d'aucun côté. Voilà. Non, je pense. Enfin, pardon. Non, je crois qu'il faut aller sur un autre terrain. Madame Labasse, s'il vous plaît. Oui. Bienveillance, ouais. Tolérance et indulgence. Ouais. C'est pas une question, mais c'est pour rebondir sur ce que tu disais. Moi, j'ai fait un travail de recherche sur les personnes sans papiers à Nantes, et j'ai pu percevoir, en tout cas, un peu un mieux, et si on peut reprendre l'expression qu'on retrouve dans l'enquête, un pas de côté, dans le sens où il y a quand même deux élus. Je sais pas si je peux les citer, mais il y en a un avec lequel vous avez fait un entretien. Est-ce que je peux citer ou pas? François Prochasson, voilà, et Christophe Join, qui était auparavant engagé dans des associations et collectifs et qui sont passés du côté donc élus. Donc pour moi, là déjà, on peut percevoir un... Bon, il y a toujours mieux, hein, bien sûr, mais déjà un premier pas vers une communication entre les différents pôles, militantisme, élus, agents. Et aussi, durant la crise Covid et le confinement 2020, vous reprenez la base et la maison du peuple qui ont été, du coup, expulsés, merci, en 2021. Mais il y a quand même eu un début de dialogue entre la collectivité et la maison du peuple et la base pour retrouver des locaux, où là, il y a des locaux qui sont à Boulevard de Doulon. Donc pour moi, il y a quand même, depuis la crise Covid, un petit peu des lignes qui commencent à bouger. Donc ça reste un peu à la marge, mais pour moi, je trouve qu'il y a quand même un progrès. Voilà. Merci. Merci. Moi, c'est Khadija. Je voudrais juste compléter et poser une question également. On parlait tout à l'heure de sémantique. Aujourd'hui, moi, ce que j'entends de plus en plus, c'est la rage.
Ce mot aujourd'hui est de plus en plus dans la bouche des différentes parties prenantes, quelles qu'elles soient. Et il y a une vraie rage. Pourquoi ? Parce qu'en face, on vit en fait une injustice. Beaucoup de personnes vivent de l'injustice. Quand on parle de violence, on n'est pas à égalité face à la violence policière, qui est la violence d'État. Et donc, quand on fait valoir nos droits en tant que justiciable, eh bien, on n'obtient pas la justice qu'on nous demande, nous, et le droit qu'on nous demande de respecter. Donc, on n'est pas à égalité. Donc, il est pour moi tout à fait normal, à un moment donné, de désobéir et de replacer aussi les choses, parce qu'on joue pas dans la même cour, on n'a pas les mêmes outils, et que les répressions policières aujourd'hui sont absolument folles. Voilà. Et récemment, il y a eu un deux volets sur Arte, une enquête de Paul Moreira, que j'invite voilà les personnes à regarder si elles n'ont pas eu l'occasion de le faire, puisqu'il y a un monsieur qui a fait partie de la préfecture et qui témoigne de manière assez factuelle du sujet. Je suis d'accord aussi sur la qualité de la relation à l'autre, pour rebondir sur ce que un jeune monsieur a évoqué tout à l'heure, qui travaille dans une collectivité. Je pense qu'on aurait tout à gagner à investir sur le temps de la relation à l'autre, parce que c'est comme ça qu'on établit de la confiance. Et la confiance, c'est vraiment le pilier de la réciprocité, c'est le pilier du lien aussi, et on en a besoin dans une société qui va vite. Et enfin, deux derniers points. Aujourd'hui, on a un signal faible qui peut devenir le signal fort qu'on ne souhaite pas voir advenir, qui est celui de la démission des maires. Il y a une vraie question d'attractivité aujourd'hui, de la même manière que les entreprises ont des problèmes de recrutement, les collectivités vont se retrouver aussi dans cette dynamique qui est assez inquiétante. Et enfin, une des pistes de solution qui me semble quand même fondamentale, c'est la formation. Aujourd'hui, si on formait un peu plus les personnes qui sont au pouvoir et qui prennent des décisions au local ou autre, comprendraient probablement le sujet dans son ensemble et engageraient voilà. Donc la question de la formation, est-ce que c'est une question qui a été évoquée dans votre approche et dans les échanges que vous avez eu l'occasion d'avoir? Merci. Alors, il y a plein de choses. Il me semble que, pour revenir un petit peu en arrière, il me semble que la question de l'échelle, elle se fait sentir. J'entends, oui, à l'échelle territoriale, il y a des choses, enfin, à l'échelle locale, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'améliorent, il y a des liens qui se nouent. J'espère qu'on l'a fait un peu sentir dans l'ouvrage, que justement, il y a des, c'est pas juste des accointances, c'est pas juste des histoires de passe-droit, c'est des histoires d'individus qui se rencontrent et qui réussissent justement à faire bouger ces leviers-là et à faire évoluer certaines choses et à faire des pas de côté parce qu'il y a de la confiance. Et le contrat de confiance à restaurer, il est primordial parce que la confiance est très abîmée. Et ça, l'effet Covid a fait qu'il y a eu une sorte de suspension, et je dis bien une suspension, et l'illusion qu'il y avait une forme d'accalmie au niveau des tensions sociales, bien entendu que c'est reparti de plus belle. Enfin, c'est l'hypothèse qu'on posait, et bien, malheureusement, ça nous a donné raison. On dit malheureusement parce que personne, je pense, ne peut aspirer à la violence et à l'expression de la violence ou à de la dégradation intense et gratuite, mais ce n'est que mon point de vue personnel. En tout cas, il me semble que les mois qui viennent de s'écouler démontrent que sur le plan national, ça ne s'apaise pas. Et ça ne dit pas forcément des choses à l'échelle locale. Il y a quand même des espaces de très grande violence. On le voit, on l'a vu tout près de chez nous. Et là, ça vise des personnes en plus. Donc, tout existe. Hein, il y a un panachage total. Mais en tout cas, cette tension-là, on l'a déjà, je me semble, un peu senti dans le rapport, en effet, à la loi et au maintien de l'ordre. Je ne sais même plus quelle expression utiliser, très sincèrement. Tout me semble absurde dans ces expressions qu'on utilise.
Voilà, je vais pas m'apesantir là-dessus. Et puis non, voilà, c'est tout. Puis sur la formation, ouais, pardon. La formation, ça a été un petit peu évoqué. C'était essentiellement une demande des activistes en fait qui est remontée. Et puis quelques élus qui disent que, mais bon, c'est les élus qui ont bénéficié de formation ou qui n'avaient pas besoin de se former parce que c'est des anciens militants qui l'ont exprimé. Sincèrement, c'est pas voilà. Juste rebondir sur la manière dont se sont exprimés les activistes concernant la formation, ce qui est assez caractéristique, mais on peut dire à la limite désespéré. C'est, mais bon Dieu, là, il faudrait qu'on leur explique. Donc, il faudrait qu'on les forme, nous, directement, quoi. Voilà. Comme c'est, bon, c'est l'expression. Un peu de désespérance. Ouais, ouais, moi j'avais un, je fais un pas en arrière sur le dialogue. En fait, de l'échange qu'on a, donc moi je m'appelle Emmanuel, j'habite dans une petite commune autour de Nantes, pas dans la métropole. Et c'est pas toujours facile non plus de faire bouger les lignes. Mais je pense que le dialogue, en fait, il y a plusieurs, enfin, moi je le perçois comme ça. Quand on parle de la ligne rouge à ne pas dépasser, c'est quand on est militant. On a envie d'établir un dialogue et de se faire entendre. C'est ça la première raison. C'est pas de c'est pour, à mon avis, derrière il y a une demande d'être entendu. C'est une histoire de communication. Et le dialogue est très difficile. Et je pense que à l'ère numérique, il est devenu complètement. On dit que c'est 7% de communication un mail. Enfin voilà, c'est hyper compliqué. Et clairement, des espaces ouverts où on y est vraiment des dialogues. Alors je sais que nos instances, et en étant fonctionnaire, je vois très bien comment ça fonctionne. On dit, mais non, j'ai pas le temps de venir en réunion, faut que je t'envoie un mail. Et en fait, on gagne du temps à en perdre. Et je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur notre organisation, de passer du temps ensemble avec les différentes parties prenantes pour, trouver des solutions. Donc, je sais pas comment, mais je partage. Et donc, voilà, je pense que le dialogue, je l'ai pas trop trouvé dans le document, mais j'avais l'impression qu'il était sous-jacent aussi, J'ai pas de questions. Merci. Là-haut. Je reprends la parole, pardon. Plusieurs choses. Je pense qu'une des difficultés qu'on a actuellement, c'est les contradictions dans les enjeux. Enfin, cette question de la tension interne, elle se pose, et collective, elle se pose aussi là. C'est-à-dire que entre, notamment sur Nantes, et la question de la construction globalement, c'est-à-dire la capacité pour une partie de notre population de ne pas pouvoir se loger dignement et le fait de protéger des terres, notamment agricoles. Moi, sur ma commune, j'ai un sujet, je me dis, c'est important que ça se fasse, mais j'ai pas envie que ça se fasse. Donc, comment on est dans cette tension-là systématique, sachant qu'on est sur des enjeux qui nous dépassent, d'attractivité des métropoles, qui dépassent le territoire même. Par rapport à ça, moi, je crois percevoir. Alors, je suis une jeune élue en majorité, donc j'ai pas beaucoup d'histoire, mais je crois percevoir quand même une évolution dans les élus métropolitains sur le fait de dire de partage des enjeux et de dire aujourd'hui on sait pas comment on connaît pas le chemin. Et je trouve que ça c'est le pas d'avancée majeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment la position de l'élu, on est dans un modèle patriarcal terrible où l'élu doit savoir, n'a pas le droit d'être dans le doute, doit guider, etc., etc. Et donc, plus que de la formation, parce que la plupart des humains normalement constitués, globalement, connaissent les enjeux maintenant. Mais c'est comment on assume ça, de pas savoir individuellement, collectivement. Et c'est ça qui permet de construire ensemble. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce premier pas, c'est compliqué. Et envoyer après les gens en formation sur le climat, c'est pas ça. C'est acceptons de pas savoir. Et ça, c'est dur. Oui, Christophe, simple citoyen. Je voudrais rebondir par rapport à ce que vous disiez sur les simples représentations mentales et la difficulté à faire un pas de côté. Est-ce que vous avez réfléchi à des moyens d'action qui pourraient être que chaque personne se mette en immersion dans le monde de l'autre pour mieux comprendre justement dans quel monde il vit et quels sont ses intérêts? Donc ça, c'est la première question. Et j'avais une seconde question. Ce document tel qu'il a été édité, enfin, est-ce que les politiques s'en sont saisis et qu'est-ce qui va en être fait? Vis ma vie.
Ouais, je répondrai que sur la première partie parce que la réponse est simple. Mais je te laisse la suite. Je ricane. Ça fait partie des choses qui ont émergé, notamment, mais pas que, mais notamment du côté des activistes. Je sais plus trop, à vrai dire, j'ai un peu honte, mais je suis pas sûre qu'on les fait émerger parce que je sais pas si c'était suffisamment massif. Mais c'est, il y a quelques-uns l'ont évoqué. Sur la diffusion de l'ouvrage, c'est ça? Tous les élus qui ont contribué et les services ont reçu l'exemplaire. Ce que personnellement, mais je pense que Marine est dans la même situation, on a du mal à mesurer, c'est qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Il faut dire aussi que les élus qu'on a rencontrés sont pas forcément représentatifs de la collectivité, quand même. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème nantais et la liste des personnes qu'on a interviewées, bon, on revient sur le périmètre de l'étude, du coup, comment ça se passe? Non, mais c'est vrai, il y a des biais, bien évidemment. Donc, que dire? On passe notre temps à pousser, ben vous le savez, que ce soit sur la chantrerie, que ce soit sur d'autres sujets. Là encore, je sais qu'il y a des personnes dans cette salle qui sont assez proches du cabinet et d'autres. Donc, je pense qu'on a tous la responsabilité d'essayer d'avancer sur ces sujets. On sera pas au rendez-vous de l'histoire, on le sait, quoi. Ça va mal se passer. Mais si on peut, sur notre territoire, là, faire notre part, et que finalement, on peut avoir des bonnes surprises. Voilà. Donc c'est la diffusion, oui, mais ça va pas se faire tout seul. Hein. Il faut que ceux-là qui sont dans les instances de gouvernance à la métropole et à jouent aussi le jeu, quoi. Voilà. C'est sinon, ça se fera pas. C'est pas un bouquin qui seul pourra faire le chose. Oui, Joël, je suis citoyen, assez engagé comme je peux, pas activiste, mais j'étais dans une vie antérieure, dont je suis sorti il y a 10 ans, cadre supérieur dans des collectivités de Loire-Atlantique. Donc je connais un peu le milieu aussi institutionnel. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, mon histoire ne devait pas m'amener à ce qui m'arrive aujourd'hui. Je me radicalise. Ça veut dire qu'effectivement, quand je vois les urgences, quand je vois les non-réponses, quand je vois les injustices, quand je vois la façon dont sont traités ces problèmes majeurs, quand je vois comment on a traité le Covid, où on a fait arrêter toute la machine, et que là, c'est quoi par rapport au Covid, ce qui nous tombe dessus, et on fait quoi? Et bon, j'ai vu dans l'institution, les institutions où j'étais, toute cette volonté, j'y étais très à l'aise, il y a 10 ans, je pense que j'y serais moins aujourd'hui, très à l'aise dans toutes ces réorganisations, ces restructurations, pour mieux répondre, etc., etc., où je pense qu'on passait beaucoup de temps à ça, alors qu'aujourd'hui, les priorités, elles sont ailleurs. Alors, moi, ma question, quand j'ai lu ça, j'avoue que j'ai été un peu embêté, parce que cette recherche de collaboration, de coopération entre des activistes et des collectivités m'inquiète. Elle m'inquiète pour l'action des activistes. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai peur qu'une coopération de ce type, un soutien, on va vous trouver des moyens, des discussions, du parler ensemble, arrive, alors je vais employer un mot un peu, mais finalement institutionnaliser les collectifs d'activistes, alors que pour moi la question est sans doute pas d'abord là. Pour moi la question elle est d'abord, et ça je le vois, je le vis, comment rendre l'action des activistes acceptable par la population, alors vous parlez du public, des publics, enfin bon, par la population, pour qu'elle ne fasse plus peur,
alors que tout est fait pour qu'elle fasse peur, notamment, c'est là toute la place des médias, qui en rajoute trois couches à chaque fois. Donc comment avoir cet effet d'entraînement, mais en laissant toute la liberté d'agir à ces activistes. Et j'invite dimanche à aller aux carrières, etc. Parce que moi, je vais y aller, ça me fait très peur. C'est pas mon truc. Mais là, je crois qu'il faut y aller, quoi. Oui. Je pousse un tout petit peu. Pardon. Je peux. Je vais un poil plus loin. Merci beaucoup. Il va encore croire qu'on a mis des taupes parce que c'était nos commentaires du texte, mais c'est promis. On ne se connaît pas, Joël, c'est vrai. Voilà, on ne se connaît pas. Moi, ma question, alors je me radicalise pas, mais je monte en colère. Je reste fonctionnaire parce que j'ai encore le sentiment d'arriver à faire le pas de côté à ma façon et que je suis dans une thématique dans laquelle je me sens bien. Je suis désolée, je parle un tout petit peu de moi, mais je pense que c'est important. Je suis dans une thématique, je suis un peu comme notre ami dont je me souviens plus, où j'ai l'impression que je travaille avec des acteurs qui arrivent à faire bouger les choses. Donc, je tiens encore. Je sais pas combien de temps, mais je tiens encore. Mais je tiendrai pas jusqu'à la retraite, surtout qu'elle s'éloigne. Donc, bon. Et du coup, moi, j'irai même encore plus loin, au-delà de l'acceptabilité de l'activisme par tout le monde. C'est comment, en fait, on devient tous activistes avec ce qu'on est. C'est pas notre histoire, en fait. C'est l'histoire qui nous amène là. Tu dis, mon histoire, je sais pas pourquoi elle m'a amené là, mais c'est parce que c'est pas la tienne, c'est celle qui nous entoure. Par contre, c'est ce qu'on est qui fait ce qu'on devient. Et comment, du coup, cet activisme, on le devient tous pour que, justement, on l'accepte et que, bah, y ait plus le choix, quoi. Merci. Peut-être deux, trois réactions. Alors, merci pour votre témoignage de parcours de vie, quelque part. Vous vous radicalisez. Mais en fait, quand on regarde l'histoire, ça fait plus de 50 ans qu'on aurait dû réagir. Et donc, chacun réagit à un moment donné dans sa vie. Donc, beaucoup de bienveillance pour ceux qui ne se sont pas encore réveillés. Indulgence. Et à l'inverse, les historiques qui étaient là depuis longtemps, beaucoup de respect. Voilà, donc beaucoup d'humilité dans tout ça, parce que on arrive, on se dit, oui, c'est insupportable, etc. Et ça monte l'agressivité qui, pour moi, n'est pas négociable. Il y a un climat en ce moment délétère, même si la situation est catastrophique. C'est pas en étant encore plus agressif qu'on va arranger les choses. Voilà. Donc il y a un travail sur soi à faire qui n'est pas simple, je vous l'accorde. Alors ensuite, il y a effectivement un risque d'un certain nombre de collectivités, peut-être de la nôtre aussi, qui aimeraient bien contrôler, parce que les collectivités, elles aiment bien contrôler, surveiller, être assurées que tout se passe bien, etc. Donc la proposition, c'est pas de collaborer ou de coopérer, c'est de mettre à disposition. Alors, faut voir les termes de cette mise à disposition, et ça rejoindra peut-être un mot que je dirai en conclusion, mais mettre à disposition ceux qui sont peut-être à l'avant-garde de l'évolution des systèmes de demain. On reviendra sur les questions l'évolution de la démocratie quelque part. C'est-à-dire que si la collectivité est consciente que finalement la société évoluera par des mouvements à la marge, eh bien, aidons-les, mais sans vouloir en faire une contrepartie pour les manipuler, pour ceci. C'est pas simple, je vous l'accorde. Mais d'un autre côté, on voit bien, par exemple, quand Johanna Roland met à disposition la base pour un certain nombre d'associations non violentes, bah, c'est une mise à disposition quand même qui aide les associations. En termes de locaux, etc. Donc après, c'est à eux aussi de négocier les termes de la non-récupération et autres. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un risque à avoir, mais c'est aussi une compréhension de la vie politique locale, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'un côté les élus qui font émerger l'avenir. Ça se saurait s'ils le faisaient. Excusez-moi l'expression. Ça, c'est mon avis personnel. C'est pas l'étude. Hein. c'est pas les citoyens seuls dans leur coin, c'est pas les entreprises, etc. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Être aidé pour faire émerger demain, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pas à n'importe quelle condition.
Pardon, mais ça me semblait important de préciser, ça reboucle avec une question que tu as soulevée tout à l'heure, Héloïse, en off, avant de préparer. Donc oui, ça a émergé de tous les côtés, mais c'est un souci de certains élus aussi, hein, qui disent, oui, on a envie de les aider, mais on a conscience que c'est dangereux parce qu'il y a des risques de récupération, et on voit bien que parfois, des gens qui sont pas tout à fait du même... Enfin, ça peut être du même bord, mais enfin pas tout à fait la même étiquette. On en profitait et tout ça, c'est dangereux. C'est une conscience qu'il y a. Après, nous, on n'est pas prescripteurs de propositions. Hein. On s'est contenté de retranscrire ce qui émergeait majoritairement. Et oh là là, j'ai trop les boules. Ah oui, c'était ça. Il y a un appel à se laisser faire, entre guillemets. C'est un contrat de confiance qui est réciproque et qui est pas facile à monter. Et comme Bernard le disait, et comme nombreux parmi vous le savent, c'est compliqué de pas contrôler, mais même pour des questions juridiques, en fait, tout simplement, les responsabilités pour une collectivité, c'est pas toujours simple de, là aussi, faire le pas de côté, de se dire, eh ben, tant pis, prends le risque. Voilà. Et je, non, c'est dommage, j'ai oublié. Ça reviendra. C'est pas grave. On prend deux dernières interventions parce que malheureusement, après, on va devoir aller sur la conclusion pour respecter le timing. Bonsoir. Je vais un petit peu changer de sujet, mais pendant cette soirée, on a beaucoup parlé de collectivités, d'institutions, de sociétés civiles, d'activisme, etc. On n'a pas du tout abordé une part de la société qui me semble quand même assez importante, c'est les sociétés privées. Moi, c'est plutôt du secteur dans lequel je suis issu. Comment est-ce que vous envisagez que ce type de texte, ce type d'analyse puisse s'immiscer dans les pensées des sociétés privées? Comment est-ce que, enfin, voilà, quand je lis votre ouvrage, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à retrouver. Et du coup, voilà, quel est votre avis à ce sujet-là? Comment est-ce que vous l'envisagez? En fait, tout simplement, c'était pas tout à fait le sujet de l'ouvrage. Mais comme vous l'avez vu, on a quand même sollicité les commerçants, enfin, à travers l'association Plein Centre, parce qu'ils sont concernés par certaines choses et ils sont le reflet d'une partie de c'est certes du privé, mais ça reste des individus qui constituent la société civile. Alors c'est juste pas tout à fait le sujet de l'étude, mais en tout cas moi c'est un des axes sur lesquels je travaille dans ma vie professionnelle. Donc si vous voulez boire un verre après, on en parlera. Ouais, sur le côté institutionnalisation, récupération, ce serait peut-être bien déjà qu'on récupère les idées, parce que c'est, enfin, des dispositifs de dialogue, ça existe. Il y a déjà eu une convention citoyenne sur le climat qui a énormément bossé et il y a zéro proposition qui est retenue. Donc là-dessus, ça fait pas trop peur de se laisser récupérer, vu que même ce qu'on dit, ça a pas plus de poids qu'un unique employé de Total dans les couloirs du Parlement de Strasbourg. Donc Et je me permets une dernière intervention de quelqu'un qui a levé la main. Je triche, je désobéis un truc. Merci. Donc moi, je m'appelle Juliette et j'ai dans mon histoire, j'ai beaucoup hésité à aller aussi vers la fonction publique ou vers les milieux militants. J'ai hésité entre les deux. Puis j'ai constaté dans le fonctionnariat, donc il y a effectivement des fonctionnaires résistants et résistantes, et c'est très bien. Je constate aussi qu'il y a beaucoup de départs parce qu'on en a marre, d'arrêt maladie aussi des fois, parce qu'on part en souffrance, donc parce que la fonction publique est en souffrance aussi. Voilà. Et finalement, j'ai choisi d'être activiste à temps plein à TAC et Alternatiba. Voilà. Donc moi, ce que je voulais aborder, c'est peut-être des pistes de solutions. Il y en a quelques-unes qui ont été évoquées. Et, voilà, je trouvais ça intéressant. Sortir de cette logique effectivement patriarcale, qui est d'accepter de ne pas savoir, de se remettre en question, d'être humble. Je trouve que c'est important que chacun, chacune accepte ça. Ça, c'est le petit côté individualiste, bon, qui fait du bien, hein, c'est facile. Et puis, d'un point de vue plus structurel, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des grandes entreprises privées. Je trouve ça dommage. Je trouve que les entreprises privées, certaines en tout cas, le grand capital, tout ça, bon, je vais pas commencer à parler de marxisme, mais je suis à TAC quand même, donc on n'a pas beaucoup parlé de ces adversaires-là qui, en fait, profitent de cet état des lieux qu'on a fait, ce constat terrifiant, et certains en profitent pour s'enrichir, en fait, du fait que effectivement les collectivités ont parfois des difficultés à réagir. Nous, les activistes, on a peu de moyens. Et les pistes de solutions que j'ai en fait eu
la chance d'explorer, c'est quand, lorsque j'ai un peu travaillé au Québec pendant quelques années, j'ai constaté qu'en fait, au Québec, mais aussi dans certains autres pays, mais on va parler du Québec, on fait confiance en fait aux associations de terrain. Les élus font confiance. Pourquoi ? Parce que les associations de terrain, et qui souvent sont constituées de personnes qui sont les premières concernées par les problématiques dont on parle, donc je parle des personnes racisées, des personnes précaires, etc., eh bien, ces assos-là, elles sont écoutées, elles sont respectées pour leur expertise. Et malheureusement, ça m'est arrivé, moi, dans ma petite expérience, d'entendre des élus dire « Ah, faut se méfier des associations. Faut se méfier des associations, elles peuvent être corrompues, elles peuvent détourner de l'argent, etc. Donc, on va se méfier. » Et en France, ça, c'est terrible. Le pouvoir jacobin de l'État centralisateur se méfie des petits acteurs de terrain. C'est historique, c'est culturel. Et je pense qu'il faut changer ce logiciel-là. Parce que il y a une expertise de terrain chez les associations, chez les activistes, donc vous l'avez un peu montré dans votre ouvrage. Et les élus, moi j'adresse un message aux élus et aux personnes qui travaillent avec les élus, devraient faire davantage confiance aux assos qui ont parfois des années, voire des décennies d'expérience sur des problématiques très concrètes, que ce soit sociales ou écologiques. Voilà. Le mot de la fin. Oui. Merci. Juliette m'a coupé tous mes arguments de conclusion. Pour aller encore plus loin, le transfert de connaissances de ces associations vers les autres associations est aussi très un fort sur lequel j'essaye de travailler personnellement. On arrive donc sur la dernière séquence qui est malheureusement conclusive de la soirée, parce que pas des débats, hein, ça c'est clair, on le sent bien. Voilà, juste deux mots. Je pense que j'aurais pu vous faire aussi une soirée sur l'histoire de la technocratie pour vous montrer à quel point aujourd'hui vous voulez en fait foutre en l'air à peu près 600 ans de rigidité administrative. Parce que je vous rappelle que c'est pas d'hier, hein, c'est depuis l'ancien régime quand même que ça date, tous ces conditions-là, que les fonctionnaires sont un peu dans ce carcan-là au quotidien parce qu'ils sont des légalistes avant tout, malheureusement. Et je l'emploie sciemment, je le suis, d'accord. Donc, et c'est vraiment malheureusement parce que les pas de côté, en fait, on est en guérilla quotidienne. Ne croyez pas qu'il n'y a que les activistes déclarés et que les fonctionnaires sont planqués derrière leur bureau. Il y en a, évidemment. On fait aussi. Mais il y a beaucoup, il y a aussi des faiseurs, je vous assure, au quotidien. Et moi, je perçois quand même, et je vais certainement pas faire de bataille entre l'urbain et le rural. Certainement pas, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Je sens quand même poindre, parce qu'il y a eu quand même un tout petit renouvellement dans les familles politiques. Alors quand je dis politique, je parle pas de droite, gauche, hein. Je parle des élus qui ont abouti aux élections, notamment municipales et donc intercommunales, puisque c'est ces deux territoires-là qu'il faut interroger. On sent quand même un petit renouvellement issu justement un peu plus de la société civile qui a envie de s'écouter. C'est pas gagné. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, on est encore à des phases de sensibilisation à la situation. Il y a 4 ans, je vous disais, on faisait cette soirée, on parlait déjà qu'on était dans l'urgence, il y a 4 ans. J'ai l'impression de tenir exactement la même phrase aujourd'hui. Que s'est-il passé pendant 4 ans à part le Covid ? Voilà. Voilà, moi c'est un peu... Je dirais pas que c'est vraiment quoi ma conclusion à moi, mais je vous assure, je pense qu'il y a des petites lueurs de positivisme. Qui se crée dans les espaces publics, quels qu'ils soient, Nantes métropole ou dans la petite bourgade qui est pas très loin, qui fait sans âme, il y a une envie quelque part. Maintenant, c'est quel degré de possibilité, quel degré aussi de capacité à aller vers. Et tout ça, ça doit se mettre en action et dans une acceptation de dialogue des uns et des autres. Mais effectivement, il y a une incompréhension, je pense, de la sphère publique vers ce qui se passe, vers les activismes. Pas que les personnes. Mais à l'inverse aussi, je pense qu'il y a une incompréhension sur la lourdeur de la machine qui a 600 ans dans les pattes. Je vous assure. Voilà, j'arrête là. Je vais sortir du volet institutionnel et administratif, même si je parle un peu de là aussi. Mais moi, le message que j'aurais peut-être juste pour la fin, c'est que ça va être un peu bisounours, mais c'est pas grave, parce que c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça que j'ai été invitée, donc j'assume. Vincent le dit toujours... T'es ma caution émotionnelle en quelque sorte, donc vas-y quoi. Mais oui, connaissons-nous, apprenons-nous à nous connaître, parlons-nous, faisons-le ensemble, faisons les pas, peut-être pas de côté, mais les uns vers les autres déjà.
Ça paraît con, mais sincèrement, si franchement déjà on arrivait à ça, enfin moi je suis persuadée qu'en fait ça peut vraiment faire avancer les choses. Et à côté de ça, n'oublions pas, je pense qu'individuellement, on a tous aussi un petit pouvoir et qu'il faut pas le négliger, que ce soit dans notre quotidien ou surtout dans la façon de parler autour de nous. Enfin moi je suis assez convaincue de ça depuis quelques temps, de me dire qu'en fait c'est aussi ce qu'on transmet, de ce qu'on a, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on ressent et de ce qu'on connaît, de notre petite expertise à nous, qui permet peut-être aussi de faire un peu cheminer et avancer chacun. Et surtout, s'il vous plaît, faites-le avec bonne humeur et joie et plaisir. Alors, juste un mot assez court pour remercier, d'abord pour vous remercier d'être là ce soir, de remercier nos animateurs, parce que personne ne va les remercier. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir. Ils sont en devenir de désobéissance, donc c'est bien. Pour dire aussi que ça a été un grand plaisir pour moi de travailler avec Marine sur cette enquête. C'était passionnant de rencontrer ces personnes. Et puis peut-être trois points. Le premier, qui est très factuel, c'est que quand on a fini l'ouvrage, on l'a envoyé aux activistes qu'on avait rencontrés. Et puis on s'est vu au LU pour en discuter, et en fait ça faisait quoi? Ça faisait 6 mois, 1 an, quoi. Non, ça fait six mois qu'on avait. Et deux d'entre eux nous ont dit, mais c'est bizarre, parce que quand on l'a relu, en fait, on s'est aperçu qu'on était monté en radicalité depuis, quoi. Voilà. Donc la situation pour eux, en fait, ils voyaient ça comme déjà étant un peu dépassé, quoi. Alors pas sur les propositions, hein, ça c'est non, sur leur peut-être l'état d'esprit, voilà. Après peut-être un point très personnel que je vous livre, c'est que je suis très triste, moi, en fait, de la situation de cette dégradation démocratique et d'agressivité. Donc ça me touche terriblement. Ça se voit pas forcément, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis j'aimerais bien un sujet que j'aimerais bien qu'on travaille collectivement pour faire évoluer nos représentations, c'est la question de la démocratie. C'est un peu dans la lignée de Patrick. La démocratie ne se limite pas à des règles de fonctionnement entre nous, quoi. Si c'était ça, ça fait long, on serait pas là, quoi. La société n'aurait pas évolué. Il n'y a pas une seule évolution sociale, grande évolution sociale dans notre société qui ne soit pas née en dehors du système des règles. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer que la démocratie, c'est à la fois des règles et à la fois du frottement de l'extérieur. Et si on arrive à cette représentation de la démocratie, on peut très bien avoir une position en disant non, je suis contre ce frottement, je suis contre ceci, mais je comprends globalement que le système, il est l'évolution intègre ces frottements et ces règles. Je pense qu'on aura fait un grand pas plutôt que de aujourd'hui se raidir sur ces règles. Tu es dans la loi ou tu es hors la loi, tu es avec nous ou tu es contre nous, quoi. On est dans une binarité de la société qui est mortifère. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on réfléchisse à une évolution de la définition de la démocratie. Sinon, on va pas aller très loin, quoi. En tout cas, un grand merci à vous. Et Oui, merci beaucoup pour vos participations. Je crois qu'on a le droit de boire un petit peu en bas. Je suppose que vous avez tous apporté du champagne, etc. Et puis, ceux qui veulent prendre des ouvrages, sentez-vous libre, hein, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez ne rien mettre si vous voulez, vous pouvez en prendre pour vos amis, vous pouvez mettre des billets de 100 euros, on accepte aussi. Enfin voilà, c'est open bar, hein. Merci à vous en tout cas.